On est venu dans cette région pour produire des vins blancs au début avec mon frère, puisque nous on est des enfants de l'entre-deux-mers. On a cherché des endroits où on pouvait trouver du Sauvignon et on a trouvé Rueda comme étant la bonne région pour produire du Sauvignon. Et quand on est venu ici, on s'est aperçu que le Sauvignon finalement c'était pas le cépage qui produisait le plus, mais c'était du Berdero. Le Berdero c'est un cépage qui était autochtone, typique de la région. Et le Berdero, c'est une variété très intéressante qui fait des vins très originaux. Et petit à petit, on a abandonné le Sauvignon au profit du Berdero. Et on a développé une marque qui s'appelle Hermanos Lurton, qui nous a fait connaître dans le monde entier comme étant parmi les meilleurs producteurs de blanc de cette région. On a même été, on a même révolutionné un peu cette région, parce qu'à l'époque, quand on est arrivé ici, ils ne faisaient pas de vin blanc sec. Nous, on a été parmi les premiers à faire des Berdero secs. Eux, ils faisaient des vins un peu oxydés, un petit prairesse. Et on a vraiment changé le style de cette région. Il y a des journalistes comme Os Clark et qui ont dit qu'on avait fait une révolution à Rueda. Et alors on s'est aperçu que les meilleurs terroirs étaient près de la rivière. Il fallait qu'on soit proche du rio Duero. Et donc quand on a cherché à s'installer, on a essayé de trouver un endroit qui soit à cheval sur les deux appellations où on puisse produire les deux vins à la fois, le Toro et le Rueda. Et on a découvert cette région de Villa Franca de Duero, qui est une région qui n'était pas si viticole, mais très cultivée quand même, très proche du rio Duero. On a construit une cave que vous voyez derrière moi, qui nous a permis maintenant de faire à la fois des vins de rouge et des vins blancs dans un même site. Dans cette cave de François Lurton, nous avons des vins blancs et des vins rouges. Ce sont des vins blancs de l'appellation Rueda et des vins rouges de l'appellation Vino de la Tierra de Castilla y León. Nous faisons deux types de vins. Nous avons un vin qui est plus jeune, plus fruité, qui est d'une vinification traditionnelle en cuve. Et puis ensuite, nous avons un autre vin, le Cuesta de Oro, que nous faisons de façon un peu plus artisanale, avec une sélection manuelle sur table. Et ensuite, nous le vinifions en barrique, des barriques de chêne français. Ensuite, ce vin, le Cuesta de Oro, sera élevé pendant 8 mois dans ces mêmes barriques. D'ailleurs, ce vin, qui est assez exceptionnel, complexe et qui a une forte garde, a été élu dernièrement meilleur vin de l'appellation par la revue Sobremesa, qui a une très forte notoriété en Espagne. Alors ici, ce sont des sols qui sont très maigres, je dirais. Ce sont des sols drainants, ce sont des sols de grave, avec des petits galets roulés. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la région. On a aussi des conditions climatiques assez sèches, assez dures, assez chaudes, ce qui fait que la vigne ici est historiquement plantée en gobelet. En gobelet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure avec des piquets et des fils de fer. C'est juste une plante qui va se développer de façon naturelle, je dirais à ras le sol. C'est un système justement qui est utilisé dans les pays chauds, lorsqu'il y a de peu de ressources en eau dans le sol. Nous faisons plusieurs vins, mais notamment des vins très haut de gamme comme Excellencia, qui anciennement était connu dans l'appellation Toro, mais que nous avons voulu affranchir un petit peu de cette appellation et passer en Vino de la Tierra de Castilla y León.
Il y a également des vins de notre autre cave qui s'appelle Burdi-Galin, qui est une cave en association entre François Lurton et Michel Roland. Et dans cette cave, on fait un vin qui s'appelle le Campo Eliseo, et ensuite un second vin qui s'appelle Campo Alegre. Campo Eliseo, avec Excellencia que j'ai nommé auparavant, sont les vins, je dirais, parmi les vins les plus connus de l'appellation. Le Campo Eliseo est souvent donné comme le meilleur vin de l'appellation. Les vins qu'on fait ici sont très bons, sont très originaux, il y a un très joli terroir les Espagnols sont des amateurs et des connaisseurs de vins. Donc je veux dire, ça n'a pas été difficile de s'implanter ici, c'est pas comme quand vous arrivez au Chili où les gens ne connaissent rien, quoi. Il faut tout apprendre. Donc on a mis un système de viticulture en place totalement différent des autres et ça a fait évoluer énormément la région de Rueda. J'aime beaucoup les Porto vintage, mais j'avais jamais visité le cœur du Douro. Quand je suis arrivé ici, je suis resté ébahi par ces montagnes qui traversaient par ce rio avec ses terrasses. C'était impressionnant, quoi. Cet endroit était faramineux. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire quelque chose ici. Puis moi, je suis marin depuis que je suis toujours tout petit et j'ai toujours voulu. J'aimais l'eau, j'aime le ski nautique, j'aime faire du bateau à voile et du bateau. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit pas loin du rio aussi pour profiter du rio. Et donc je me suis mis rapidement à faire du vin chez des amis chez qui j'ai loué un chai. Et puis après j'ai commencé à développer les ventes de mes vins et puis j'ai cherché une propriété. Et je suis arrivé dans cette propriété Quinta Berraduro. Cette Quinta qui était un peu abandonnée et que depuis j'ai restaurée. J'ai mis 3 ans à sortir mon premier vin au milieu de ces vieilles vignes. Et c'est une face nord, c'est-à-dire, vous voyez, je suis déjà à l'ombre, là, à cette heure-ci de l'après-midi, il est 5h, ce qui veut dire qu'il fait relativement frais, on n'a pas du soleil toute la journée, ça ne tape pas, et on a une zone froide qui nous permet d'avoir des vins extraordinaires. Plus on est près du rio, plus on a une humidité chaude. Et plus la vigne est... Mais après, il y a le savoir si on est d'un côté qui est face sud, qui est exposé au soleil toute la journée de façon très forte, ou si on est face nord, on est beaucoup moins exposé au soleil, et donc on n'a pas les mêmes processus de maturation. Ou est-ce que après on est dans une vallée d'un affluent. Il y a plein de petites vallées qui sont des affluents du Douro, qui sont le Torto, le Pignan, et qui ont chacune leur style et leur sol. Et ici, en plus, les Portugais, ils mélangent tous les cépages. Ils ont 120 cépages différents. Ils les mélangent tous dans les vignes. Alors donc chaque parcelle est unique. C'est-à-dire que chaque parcelle a un encépagement particulier, souvent un sol particulier, une exposition particulière. Et alors les cépages connus, je pense que le plus connu c'est la Turia nationale, il y a la Turia franca, mais il y a une multitude de cépages derrière ça, qu'on ne connaît pas du tout, qui sont par exemple le Soussan, la Tinta Riche, la Tinta Maria, il y en a beaucoup comme ça. Il y a ces terrasses qui s'accrochent à ces montagnes, ce qui offre un paysage unique et assez incroyable. Donc ça fait une vigne qui est très difficile à travailler toute l'année, parce qu'on est en pente, on est en descente, et on fait tout manuellement ici. Et les vendanges,
Là, on peut le voir, c'est un moment qui est particulier parce qu'il y a beaucoup de monde dans la vigne, mais c'est assez difficile. Il faut couper les raisins comme partout, sauf qu'il faut monter avec les caisses de 20 kg et ensuite, ce raisin va être acheminé à la cave. Comme on a l'habitude de voir dans d'autres régions. Ici, on a le système de lagars. Les lagars, qu'est-ce que c'est? Ce sont de grands bassins avec des petits murets de 80 cm de haut et on met la vendange dedans, dans ces grands bassins. Donc on va avoir 50 cm de vendange et là, on a des pigeurs, des gens qui foulent le raisin avec les pieds. Alors ça, c'est la méthode traditionnelle portugaise, mais pourquoi le faisons-nous? C'est parce qu'il y a un vrai gain qualitatif, c'est-à-dire que quand on foule au pied, on a une très bonne extraction de la couleur des raisins, et c'est une extraction qui est très douce. Une fois que la vinification va être terminée, le vin va être soutiré pour aller en barrique, et de là, on va commencer l'élevage en barrique, qui va durer entre 16 et 18 mois, dans des barriques neuves pour nos meilleures parcelles, qui feront El Berraduro et le Quinta do Mayo, qui sont nos deux plus grands vins. On a été accueillis à bras ouverts. Les Portugais sont adorables, ils sont très gentils, ils adorent les Français. On s'est compris tout de suite. Mais ce qui a été difficile ici, c'était de comprendre le mode de viticulture qu'ont ces gens. Ils ont, avec ces terrasses, avec ces méthodes de travail, il a fallu leur changer leurs habitudes. Ils ne taillent pas la vigne comme nous, ils n'entretiennent pas la vigne comme nous, ils ne font pas les mêmes systèmes culturaux, ils n'ont pas les mêmes systèmes de vinification. Ici, quand on a, ils ont des lagars où on foule au pied. Tout ça, c'est des systèmes qui n'ont rien à voir avec les systèmes qu'on avait, nous. Et donc, on a appris beaucoup de choses ici et on a complété ça avec de l'expérience qu'on avait d'autres vignobles pour arriver à faire le vin que l'on avait envie de faire.